bordel. Ça se commande. Hein. Ça prend toute la part. Les touches, c'est magnifique. Mmh. Vous avez préparé la compo de l'équipe des deux. On va l'afficher en même temps que vous parlez. Bonjour. Bonjour. On est dans la deuxième. On prend l'antenne à 45. Okay. Du coup, je vais en bas. Nickel. Vous mettez les casques et normalement, je ne pourrai pas. On va faire un petit test avant de commencer. Nickel. Un, deux. Ouais, c'est bon, nickel. Un, deux, tu m'entends? Ouais. Très bien. Toi aussi? Ouais. Super.
Bien, bonjour supportrices, supporters de l'Union Sportive Lacoise, Rugbyland, bienvenue au stade Maurice Boyau, qui n'est pas tout à fait ensoleillé. C'est un petit peu couvert cet après-midi, mais la pelouse est impeccable et je pense que nous avons une bonne après-midi de rugby à partager ensemble. Et je souhaite la bienvenue une fois de plus à mon consultant préféré, Simon Garoutet. Tu en changes pas de tandem qui gagne. Salut ça. Simon. Salut Fred. Salut, salut. Bonjour à tout le monde et bienvenue, bienvenue à tous pour ce match voilà, qui va nous régaler toute l'après-midi. Oui, on a affaire. Nous allons avoir à commenter une super rencontre puisque ben, c'est le leader qui se présente avec Bourg-en-Bresse. On connaît la stature. Simon, c'est on va dire CEP. Ouais, ben, oui. C'est le leader. Hein. Bon. Je pense que. Il n'y a pas mieux dans la poule, donc voilà, ils viennent se frotter à nous et nous, ben, on a un beau challenge à relever. On est sur une bonne dynamique, donc voilà, j'espère que ça va continuer. Oui, tu parlais de dynamique, évidemment, on sort de victoire contre Nice, de déplacements du côté des Alpes qui se sont plutôt très bien passés et il fallait s'en sortir vainqueur pour continuer d'espérer. Et bon, le groupe, malgré les heures de bus, nous a montré qu'ils étaient capables et qu'ils avaient encore envie d'exister et de prouver que la quatrième place, voire la troisième, n'est toujours pas inaccessible. Oui, tout à fait. On est sur une bonne dynamique. On a reçu l'ex-leader Nice qui est venu se frotter ici à Maurice Boyau. Et on a fait une belle prestation. Je pense que les gens ont pu le voir, notamment à la télé. Et ensuite, deux gros déplacements qui étaient difficiles à bien sûr à jouer. Mais on a su s'en sortir par un bon match à Bourgoin. Qui a été remporté notamment dans les derniers instants et à Chambéry, une belle prestation aussi dans l'ensemble qui nous fait encore espérer et qui justement nous donne envie d'aller chercher cette place qualificative et voilà, donc j'espère que voilà, les joueurs sont motivés et en tout cas il y a de l'enjeu, c'est intéressant. Je pense que la motivation ne sera pas absente cet après-midi. Puisqu'on en est aux présentations, on va tirer un grand coup de chapeau à nos amis supporters qui sont derrière la haie, qui nous ont mis de belles banderoles. Ouais, on peut voir les banderoles des supporters, ça fait du bien, c'est juste à côté des gars qui s'échauffent, donc on peut voir que le soutien est présent. Et en face aussi dans les. Et on a le tifo d'Aledaxpo.com qui s'est mis en place et on leur tire un grand coup de chapeau et ça fait vraiment plaisir, ça met du bon au cœur et. Je pense que les joueurs ne seront pas insensibles à ce genre de moyens de supporter. Ouais, tout à fait. Ce genre d'attention qui peut apporter un plus, on le sait. Nous les premiers, on est un peu amputés d'ambiance et de supporters. Et c'est vrai que d'avoir ce soutien, on sait très bien que les gens sont derrière leur écran, sont derrière la haie comme ici. Et on espère que on va pouvoir leur rendre ce qu'ils nous donnent. Quoi. Il n'y a pas de sujet. Donc les deux équipes sont en fin d'échauffement et même le trio d'arbitres va entrer au vestiaire pour changer de maillot. Nous on a une dernière séquence de lancement de jeu à l'échauffement là, qui est en train de se mettre en place. Bourg-en-Bresse en fait de même. Ouais, là c'est le dernier réglage avant l'entrée au vestiaire. Donc, voilà, on a des mouvements de part et d'autre, surtout pour travailler la défense. On répète un peu les gammes. Ouais, voilà, c'est ça, oui, les derniers détails, et se rassurer sur des choses simples et avant de rentrer au vestiaire et de savourer ces derniers instants, tous ensemble. C'est ça, rester soudé, se donner un maximum de. Ouais, se sentir, voir que voilà, on peut faire confiance au copain qui est à côté et qu'on va tout donner tous ensemble, donc les 15, mais aussi les 23. Sous l'œil avisé du préparateur physique qui regarde ses troupes de près, Pierre Lassus, qui fait un gros travail de préparation parce que c'est pas évident de gérer quand même ces gros déplacements. C'est toi qui vas nous le dire, Simon, il faut mixer entre la récupération et le travail d'entraînement. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est un équilibre à avoir entre justement.
la faculté de bien récupérer sur des longs déplacements comme à Bourgoin, comme à Chambéry. Et aussi savoir aussi avoir un volume d'entraînement assez conséquent pour pouvoir le week-end être prêt et reproduire les intensités de match. Ouais. Donc je pense que Pierre est assez compétent pour gérer ça. Et c'est vrai qu'on l'a vu sur ces matchs qu'on était quand même plutôt en forme physiquement. Physiquement, ouais, ça, on a senti sur notamment le match à Chambéry qu'on était sur une phase ascendante où on va pas se mentir, on a eu quelques matchs où on avait peu de mal à rentrer sur les 20 premières minutes. À Chambéry, ça s'est pas du tout passé comme ça. On les a pas laissé respirer du tout. Ouais, tout à fait. Ils n'ont jamais pu y croire. Non, c'est sûr. On attaqué le match de plein pied avec de bonnes occasions et on a scoré. Ensuite, bon, on aurait pu peut-être enfoncer un peu plus le clou, mais voilà, il y a aussi une équipe en face. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même une belle prestation et le but, c'est de continuer sur cette dynamique et avec. En restant toujours maître à la maison et en allant chercher cette place qualificative. Impératif parce que puisque le calendrier accélère, hein, il ne va plus rester beaucoup de matchs, c'est ça, ouais. De journées dans ce championnat. Il nous reste 4 matchs. Ouais, de réception, de déplacement. Il faut cartonner, il faut prendre le plus de points possible et après on verra ce qui va se passer. Tout à fait. On a encore la chance d'être un peu maître de la situation. On va regarder, il faudra bien évidemment regarder un peu les résultats des autres. Mais d'abord tout gagner, ouais, on va pas se mentir. Tout à fait, c'est... Ça commence par cet après-midi. Voilà, c'est match après match. Aujourd'hui on reçoit Bourg, donc c'est une grosse affiche. Et après on pourra se projeter sur le match suivant. Mais c'est vrai que on aborde match après match. On a 4 gros matchs à jouer, à gagner. Et après on fera les calculs et on verra peut-être que ça va passer. Voilà. C'est tout ce qu'on souhaite et tout ce qu'on espère en tout cas. Exactement, c'est tout ce qu'on souhaite. On avait prévu, comme le précisait notre président Benoît Auguste dans la presse cette semaine, on avait pressenti une place dans les 6. Bon, il s'est avéré ce qui s'est passé avec cette rupture de championnat de Covid et retrouver une qualification à 4, à nous de l'assumer. Le fait d'avoir gelé un mois de championnat a réduit les places qualificatives de 6 à 4. C'est comme ça et de toute façon on n'a pas le choix. On va tout donner, c'est comme ça pour tout le monde. Et il faut pas se poser de questions, jouer les matchs et on verra ce qui va se passer à la fin. Voilà, les joueurs de Bourg-en-Bresse vont rejoindre dans le vestiaire pour changer les maillots d'échauffement et revêtir l'habit de lumière. Nos rouges et blancs vont faire de même très vite. Ils finissent l'échauffement là avec. Je vois qu'Armaud donne. Donc Mignardi donne les dernières consignes. Voilà. Ouais, on fait monter un peu le cardio avant de rentrer au vestiaire. Et ensuite se resserrer un peu plus sur le discours du capitaine. Ouais, les derniers mots sont importants, j'imagine, dans le vestiaire. Se rassurer sur ce qu'on a fait la semaine, sur le contexte de match, comment on va aborder le match, quelle va être la stratégie dès l'entame. Pour que dès qu'on rentre sur le terrain, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et soit au diapason. Voilà, on va revenir sur les conditions météo qui sont excellentes. Il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud. Non, c'est excellent. Pas de vent. La pelouse, bien sûr, pelouse comme d'habitude, impeccable. Excellente. Ouais. J'espère qu'on va se régaler cet après-midi. On va donner un petit coup, enfin saluer aussi nos minimes qui sont ramasseurs de balles cet après-midi. L'école de rugby. La formation, toujours. C'est important. Voilà. Donc les M14 qui vont être ramasseurs de balles cet après-midi. On les voit. Ils sont pas peu fiers. C'est important aussi de voir aussi comment ça se passe chez les grands. Et ça donne envie. Ça donne envie et j'espère que ça les fera rêver aussi. Pour plus tard. Ça les tire vers le haut, c'est bien. Tout à fait. C'est super. Ouais, on a notre fan club qui donne de la voix derrière la haie, c'est magnifique. Les tifos sont là, les drapeaux sont sortis. Ils sont courageux, bravo à eux. Ouais, c'est top, franchement c'est top et ça donne sur plus de motivation, ce soutien.
Allez, tout le monde est reparti au vestiaire. On va pouvoir entamer la compo des équipes. On va voir ce que nous donne la réalisation, si c'est celle de Dax en premier. Et je vais te laisser l'honneur et le privilège de l'annoncer, mon ami Simon. Voilà. Alors, pour la composition de l'US Dax Rugbyland, donc en première ligne, on aura Faititoa Assa à gauche, Benia Toshki au talon et Peter Stimet à droite. L'attelage en deuxième ligne sera composé de Mathieu Bidot et d'Étienne Loiret. La troisième ligne, ça sera Arnaud Aletti à gauche, Olivier Auguste en numéro 7 et Brice Ferrer en numéro 8. La charnière avec Sylvère Retaud et Thomas Curuchet. Au centre, on aura Victor Pisano en 12 et Robert Ilomayava en 13. Et le triangle arrière avec Julien De Chavannes à l'aile gauche et Sava Delaye à l'aile droite et Théo Gatelier, notre arrière. Alors sur le banc des remplaçants, on aura au talon Elvis Lévy, Mathis Dumain à gauche et Aubin Lespio à droite. Ensuite notre recrue, ouais, Senyo Toleafa qui fait sa première feuille de match. La Chalomidze 19 et les remplaçants derrière, Simon Gatuin, Felipe Berkesi et Antoine Renaud. Et le staff, bien sûr, est composé de Jack Isaac, manager, et Arnaud Mignardi, l'entraîneur trois quarts, et Stéphane Barberena, l'entraîneur de devant. Je te laisse la composition de Bourg-en-Bresse. Hein. T'es gentil, parce qu'on les connaît par cœur, évidemment. C'est sûr, t'as bossé. J'ai bossé toute la semaine. Voilà, alors, pilier gauche numéro 1, Vacha Kapanadze. Talonneur numéro 2, Julien Clément. Numéro 3, quelqu'un qu'on connaît bien, pilier droit, Victor Damien Arias, qui a fait le bonheur de Dax pendant quelques années. Ouais. Numéro 4, Roth Bense. Numéro 5, Cyril Verret. Troisième Liel, Simon Bornuat. À l'autre, le numéro 7, Loïc Baradel. Numéro 8, troisième ligne centre, Antoine Benoît Charles. Numéro 9, Florent Campeggia. Numéro 10, demi d'ouverture, Peter Nelson. À l'aile, numéro 11, Pierre Santalier. Numéro 14, William Christian Erasmus. Et les centres sont numéro 12, Mathis Viard. Et numéro 13, Émile Caillot. Quant à l'arrière et la fermeture du triangle, c'est Hugo Dupont et qui sera capitaine de l'équipe. Remplaçant numéro 16, Sione Angalengui. Numéro 17, Paul Sorazé. Numéro 18, Pierre Beauchaton. Numéro 19, Jean-Étienne Dimitri. Numéro 20, Grégory Mekez. Numéro 21, Benjamin Doit. Numéro 22, Audric Sarlanville-Guillard. Et numéro 23, Anthony Martin. Les entraîneurs étant Johan Boulanger et Thomas Chauveau. L'arbitre de la rencontre qui nous vient d'Île-de-France sera Monsieur Charleroi. Voilà, tout est dit, le décor est posé, le décor est planté. On va attendre juste l'arrivée des deux équipes. On n'a pas d'infos qui a gagné le TOS. On va le voir tout à l'heure. Non, on va le voir tout de suite. Mais encore une fois, ça n'a que peu d'incidence puisque... Ouais, les conditions semblent être optimales. Il n'y a pas de vent. Donc je pense qu'il n'y aurait pas d'incidence sur le TOS. Les buteurs ne vont pas être dérangés à ce niveau-là et c'est peut-être pas le jour d'envoyer quelques chandelles pour perturber le triangle derrière, sauf à vouloir déstabiliser un peu les relances. Ouais, il faut voir, on verra le style de jeu et la stratégie adoptée par les deux équipes. Donc voilà l'entrée des joueurs, voilà, notamment de Capitaine Olivier Rouge, amené par le capitaine Olivier Auguste. Les joueurs de l'US Dax semblent se placer sur la droite. C'est ça. Et les joueurs de Bourg sur notre gauche. Sous les klaxons des supporters. J'espère que vous les entendez. Ça donne du son en tout cas. Ouais. C'est sympa. Ils sont présents. C'est sympa. Alors voyons, il semblerait que Thomas Kiriche demande le ballon, donc je pense que nous allons donner le coup d'envoi. Ouais. L'équipe de Bourg s'est placée en réception de ce coup d'envoi.
Voilà. Et on va aviser, on va voir de suite quelle est la stratégie envisagée sur un renvoi long ou court directement sur les deuxièmes lignes. Allez, c'est parti, coup d'envoi du match. C'est plutôt long sur Alors, c'est plutôt long dans les 22, réception numéro 11. Voilà, qui est sorti ses 22, donc ça ne permettra pas un coup de pied directement. Une première relance de jeu. Et un jeu au pied qui semble se préparer par le numéro 9, Campeggia. Un numéro 9 qui aura des conditions. Voilà, comme tu l'as dit, on avait rentré le ballon sur le deuxième temps. Voilà, ballon en touche sur les 40 mètres. Voilà, sur la ligne des 10 mètres. Donc une occasion de lancer le jeu pour nos joueurs. Voilà, on va voir les premières intentions. Alors qu'apparemment, vu le drapeau de touche de monsieur l'arbitre, de touche, finalement, ça souffle un peu. Ça souffle un petit peu. Les Bourg-en-Bresse auraient un peu l'avantage du vent. Allez, ballon capté par Mathieu. Allez, on prend le milieu de terrain par Robert et Brice. Oui. On enchaîne avec trois avants qui viennent dans le sens. Victor se place dans l'axe. Il monte une chandelle. Ouais, qu'il y a beaucoup, mais, ouais, je pense qu'il y a un peu devant. On s'en est pas rendu compte, mais. Avantage. Ouais. Non, un en avant des Bressans qui va rendre la mêlée au Dakoa sur la ligne quasiment des 40 mètres dans le camp de Bourg-en-Bresse. Allez, ça va être la première confrontation de mêlée. On va se juger. C'est ça. Première mêlée, première minute de jeu. Donc, déjà, on va pouvoir. Voir le rapport de force entre les deux packs. Premier rendez-vous. Ce ne sont pas des rendez-vous d'amour, hein, en principe. Allez, on se met en position, on attend les commandements de l'arbitre. Silver, introduction Silver, ballon digéré. Allez. Et ça va de là qui vient à plat. Ballon perdu. Ballon perdu, attention, ça laisse un gros ballon de relance et contre-attaque. C'est Olivier Pierre Santané qui avait poussé au pied, mais on récupère le ballon et Brice qui va, relancer. Il remet dans l'avancée. Ouais, je pense qu'il va mettre du pied dans un deuxième temps. Voilà, ce que fait Thomas Curitier. Bien fait par Thomas. Très très bien, il renverse la pression. Ouais. Et du coup. Le demi d'ouverture, Peter Nelson qui relance par une chandelle, réception de Thomas, on relance sur l'autre côté. On avec déplace le jeu. Voilà, qui va renvoyer. Une fois de plus, on renvoie la pression, comme tu disais. Petite partie de poker menteur ping-pong. Thomas qui décide de garder le ballon, d'attaquer cette ligne. Attention, au soutien. Voilà. Et c'est un ballon perdu. C'est un petit peu isolé là, Thomas. Ouais. C'est dommage. Et l'arrière Hugo Dupont qui décide de taper dans la diagonale, mais ça va de là est en recours. Il va relancer le ballon évidemment. Alors, c'est dommage qu'il n'ait pas pu passer les bras, il y a peut-être quelque chose à faire. Allez, Beniatowski qui va créer un point de fixation. On recrée des cellules. Ouais. Mathieu qui relève. Attention, il est tout seul. C'est les Roto qui risque de mettre du pied pour aller renvoyer une fois de plus la pression dans le camp de Bourg-en-Bresse. C'est bien tapé ça, Olivier. C'est récupéré par un joueur bressant. Ouais. Et oui, parce qu'on l'avait. C'est nous qui avons talonné le ballon. Allez, les Bressans qui créent un point de fixation au centre du terrain par le centre Émile Caillot. Le jeu qui rebondit. Ils vont recréer un deuxième point sur les 40 mètres. Petit côté, attention, on va pas louper les premiers plaquages. Ouais. Ça joue autour, ça joue sur la largeur. C'est... Voilà, on voit qu'il varie le jeu. Puissant les Bressans, hein, sur les en contre, on le savait. Il va pas falloir laisser trop d'espace. Allez, on est rentré dans le kilomètre de quoi. Voilà, on a bien resserré la défense. Ceci dit, le jeu rebondit. Repoint de fixation, on est à les 15 mètres de la ligne d'un but. Le jeu qui rebondit de grand côté. Repoint de fixation des Bressans.
Ah oui, on cherche vraiment l'affrontement devant. Hein. Ouais, on cherche du jeu autour. Alors, ballon cafouillé et perdu. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, monsieur l'arbitre ? Il revient un avantage, oui. Voilà, il revient un avantage hors jeu de ligne défensive, a priori, vu son geste. Je pense que les Bressons vont pouvoir se fendre d'une tentative de pénalité à quasiment 20 mètres face au poteau. Voilà, et c'est le demi-d'ouverture Peter Nelson qui va s'en charger. Gaucher. Et ça passe. Et qui ne se trompe pas. Et voilà les trois premiers points marqués par Bourg-en-Bresse. Donc nous sommes à la sixième minute de jeu et Bourg-en-Bresse prend le score sur cette pénalité de Peter Nelson. 3-0. Bon, Simon, je pense qu'on a à peu près vu la stratégie. Ça va, on va dans l'affrontement. Hein. Du jeu autour. Jeu autour des points de fixation et ouais, sur les sorties de camp on voit qu'on s'embête pas côté Bressan, on sort directement le ballon et voilà une autre occasion s'offre à nous pour lancer le jeu et pourquoi pas voilà déstabiliser cette défense sur un premier temps de jeu. Alors, touche à 6 plus 1. Ballon lobé sur fond de touche. En avant Bressan. Heureusement que voilà, notre ami Pillé Bressan n'avait pas de colle sur les doigts et il a laissé partir ce ballon. Donc ça va te donner une médacoise sur les 40 mètres. Intéressante. Ouais, intéressante parce qu'on a un petit côté à jouer de plus de 15 mètres et un grand côté, donc voilà, 40 mètres de la ligne, donc une défense qui est aussi étalée sur deux rideaux, donc ça laisse quand même des espaces, ouais. à voir comment cela va être exploité. Le petit côté me paraît pas... Non, après à voir comment les ouais. comment la mêlée, la mêlée tourne et comment on arrive à s'adapter. Allez, on est parti sur la Allez, ouais. 9-12, dans le dos, allez Théo. Et Théo qui va mettre la vitesse, il est passé, il arrive à servir, ça va. Et ça va qui va. Qui garde le ballon. Allez, faut arriver à enchaîner. Allez, ils sont peut-être en jeu là, des Bressons. L'arbitre qui tend le bras ouais, pour un avantage. Un avantage, ça c'est sûr. Allez, ça serait bien. Alors, c'est ballon gratuit. Il y a un coup à tenter. De toute façon, ouais. On reviendra à l'avantage. Donc, autant essayer de performer. Et de tenter quelque chose. Là, on a un avantage. Allez, on repoint de fixation sur les 15 mètres. Mathieu Milo qui va recréer un point de fixation, on est retourné, mais bon, l'arbitre va arrêter l'action à ce point-là. Et un bon lancement. Ouais, un très très bon lancement. Sur mêlée. Ouais. On arrive à trouver l'espace sur les extérieurs, on arrive à vite trouver Théo qui est démarqué sur son placement. Donc voilà, il arrive à donner Sava qui déborde sur l'aile droite. Et ça nous ramène à un avantage, donc ouais. Une pénalité que je pense Thomas va tenter. Théo Gatelier qui a une fois de plus fait parler la poudre. Ouais, il est très très en forme hein, ces derniers temps depuis deux mois, depuis le match aussi à Chambéry où nous avait inscrit un très bel essai. Très en vue, donc pourvu que ça dure. Et que ça dure. Donc, Thomas Allez, qui va. Thomas, tranquillou. En face des poteaux. 15 mètres face aux poteaux. Ça se concentre mais ça doit se mettre. Et voilà, allez, 3 partout, 9e, quasiment 10e minute, score de parité, pénalité transformée par Thomas Curuché. Allez, on va voir. 3, Bourg-en-Bresse 3. Voyons le coup d'envoi que va donner Peter Nelson, long court,
C'est un gaucher, donc il risque de taper sur Olivier. Ok, voilà, très bien. Belle prise de balle en l'air. Magnifique prise de balle, Olivier. Et derrière, sortie de balle pour Silver et Thomas qui va remettre la pression tendu, très très long. À rebond. Donc ça laisse du temps au rideau défensif de monter. Les chandelles de la part de l'arrière. Thomas qui est dessous, très bien, très propre. Attention au soutien. C'est bien. L'arbitre qui considère que le soutien. Hein. Ouais, plaquage haut apparemment. Ah, je pense qu'il considère qu'il a gardé le ballon. Ouais, que le soutien, soutien Bressan est arrivé plus vite que le soutien d'Aqua. Donc, ça se joue à quelques bœufs vu qu'il a été enlevé. Mais c'est un peu trop facile. Hein. On n'a pas le droit de contester les décisions arbitrales, Simon. Ouais. Même si on en a envie, on ne le fera pas. Donc Peter Nelson qui va se charger de la transformation de cette pénalité. Tendu, ça passe. Et ça passe. Ouais. 6-3. Voilà, 11e minute. Pénalité transformée par Peter Nelson. Donc oui, Bourg-en-Bresse mène sur le score de 6-3. Match équilibré pour l'instant, hein. Je viens dans ton camp, on marque. C'est coup pour coup pour l'instant. Voilà, et sortie de camp, toujours pareil de la part de. Un peu plus loin là ce coup-ci. De Bourg-en-Bresse. Ouais. Belle touche trouvée pratiquement sur nos 10 mètres. Donc, touche pour Dax. Avec Olancé, Beignat, Hochki. Voilà, si on garde le même format de touche. Touche réduite à 5 cette fois-ci. Ce coup-ci. Ouais. Avec Arnaud en position de relayeur. Allez. Dans ces baignades, on s'applique. On a eu quelques difficultés sur les deux premières. En espérant que celle-ci soit mieux organisée. Voyons, c'est parti. Allez, belle prise de balle Étienne. Ballon porté qui s'enclenche. Voilà. Brice Ferrer qui revient. Qui était détaché, qui vient apporter sa puissance voilà. Pour pousser. Allez. Alors, premier arrêt signé à premier arrêt. Mais il y a encore de l'avancée. Et Thomas Curuchet qui décide de taper un coup de pied. Diagonale. Sur Ezara Delay. Qui gagne son duel. Non, mais qui a commis petit en avant. Voilà. Qui va donner une mêlée quasiment sur les 50 mètres, un bord de touche de l'autre côté de la tribune. C'est la deuxième mêlée, si je ne me trompe pas. La première s'était plutôt bien comportée des deux côtés, c'était assez stable. Ouais. Voilà, là ce coup-ci, c'est une introduction bressane de la part de Florent Campeggia. Voyant la position des trois quarts de Bourg-en-Bresse. Les deux centres qui sont à plat, qui ont inversé leur position en plus. Oui. Donc peut-être que il va y avoir une animation. Alors, 10. La première sautée, un passage dans le dos. Victor qui arrive à bien nager. Ouais, et c'est bien pris ça. Très bien pris ça. Théo conteste. Bonne lecture. Voilà. C'est récompensé. Bonne défense. Là. Très très bonne lecture dans la défense. Ouais. Ouais, Victor qui arrive à bien nager et à rattraper la supériorité numérique qui est faite par le passage à vide. Donc après, voilà, des joueurs bressants qui sont un peu dans l'urgence et qui commettent un petit en avant sur le soutien. Donc on récupère un ballon avec une mêlée mais quasiment au même endroit, mais à l'opposé. Ça fait quelques matchs qu'on on l'avait souligné lors de notre dernière intervention, Simon, la présence défensive est très 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 importante. La lecture. On le voit.
de toute façon, voilà, c'est des phases de conquête où ça ne se joue plus que voilà, sur la poussée de la mêlée. Il y a aussi voilà, une défense derrière. Et voilà, encore une mêlée stable. Ouais. Allez, 8-9. Allez, Lilo. Robert à hauteur. Allez, on arrive à vite enchaîner derrière. On va sûrement chercher les extérieurs. Allez, allez, Théo qui est décalé. Ouais. Et ça va. Voilà, qui nous met dans l'avancée, qui reste sur le terrain. Allez, si ça peut vite rebondir, il y a un ballon intéressant parce qu'il y a que des gros de l'autre côté. Ouais, on repasse dans le dos. Dommage. Ah, dommage. Ouais. Thomas qui lâche la passe, est un peu dans les chaussettes, c'est dommage. Oui. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait une offensive. Ouais, ouais, on avait arrivé on était arrivé à vite amener le ballon sur l'extérieur. Et c'est dommage. Mais bon, voilà. Allez, on se reprend en mêlée au milieu. Le jeu amène faute, ça peut arriver, mais bon, il faut essayer de gommer toutes ces petites scories qui pourront nous donner du baume au cœur et de l'avancée dans quelques minutes. Mais il est toujours stable. Ouais. Mais les propres, ouais, ballon vite digéré, ça joue petit. Bon, c'est. Allez, faut presser. Allez. Attention, ce petit ailier qui a l'air d'avoir pas mal d'appui. Ouais. Allez, faut monter. Toa. Ouais, je pense que là, il y a. Ouais, le plaquage est. La tentative de plaquage en tout cas. Dassa, Faito Toa était un peu haute. Et qui est réprimandé par l'arbitre. Simple avertissement, je pense que c'est le dernier, mais attention à ces fautes là. C'est une faute un peu bête, on est pris dans l'action, dans le feu, mais. Qui, je pense, qui est faite de bonne volonté, mais il faut arriver à maîtriser son comportement. Et ça peut coûter cher, on le sait que voilà, sur les matchs où on a pris des cartons, on a été en difficulté, et là on n'en prend plus, donc voilà, faut essayer de se contenir. C'est très bien sur la montée, sur l'intention et voilà, faut rester quand même lucide sur le plaquage. Rester lucide parce que, comme tu le disais, on a eu pas mal de matchs avec beaucoup de cartons et bon, quand on laisse les copains 10 plus 10, 10 minutes plus 10 minutes, on laisse du lactique aux autres dans les jambes quoi. Donc c'est toujours un peu plus compliqué. Ouais, et puis on défend un de moins et voilà. Ça demande des efforts supplémentaires. Des efforts supplémentaires. Donc troisième tentative de la part de Peter Nelson. Toujours, à peu près au même endroit que la dernière fois. Et ça part. Et celle-là est encore en plein milieu. Je pense qu'il ne faut pas trop lui laisser à manger, ce Peter Nelson. Ouais, très efficace au pied, 3 sur 3. Donc ce qui porte le score à 9 à 3 pour Bourg-en-Bresse. 18e, allez, maintenant faudrait essayer de remettre la main sur le ballon et de ne pas laisser des points facilement. C'est ça, éviter ces petites fautes un peu bêtes, on va les appeler comme ça. Et, parce que pour l'instant, il n'y a pas de danger supplémentaire sur le. La défense est en place, donc c'est dommage de leur donner juste des points gratuits. Allez, un petit groupement sur la mise en jeu. Un violet. Ouais. Attention aux feintes. Voilà. Et allez, touche au 10 mètres. Allez, on a vu tout à l'heure que c'était un bon ballon là, sur notre lancement de jeu. Allez, touche à 5 encore avec un relayeur. À 5 avec un placement plutôt plus à plat par contre. Ouais. Ça avance, ça s'enclenche. Tenter de porter Benyatki au ballon. Attention, le violet qui va là. Avantage. Qui sur le côté. Un joli petit côté à jouer finalement. Allez, 9-12. On a gratuit puisqu'il y a un avantage en cours. Allez, ça va, qui a du champ. Ouf, qui avance, qui se sort du premier défenseur. Julien qui arrive à enchaîner. Allez, s'il avait pris, il faudrait un relayeur. Très bien, et ça va. Allez, ça on joue au milieu de terrain. On va revenir. Donc, point de fixation, Mathieu. Ça rebondit. Allez, ça joue dans le dos. Il y a de l'espace. Victor qui s'engouffre. Attention au soutien. Ça plonge. Allez, deuxième pénalité. Attention à eux aussi.
Allez, Arnaud Aletti qui va recréer quand même, qui est poussé bon, à touche. Bonne séquence de la part des rouges et blancs. Ouais. Qui a provoqué deux fautes. Ouais. On voit que quand on va chercher les extérieurs, qu'on arrive à balayer le terrain, mais c'est efficace. Donc, tant mieux pour nous. Et ça prouve sûrement la stratégie qu'il va falloir, que nous allons devoir adopter, à aérer ces ballons, à aller chercher des externes. Oula. Ouais. Alors on prend pas les points. Non, on va en touche. Les gars ont décidé d'aller en touche. Ils se sentent sur un temps fort. Donc, Il n'y a pas de raison. Allez, sûrement. Le soutien des supporters en plus. Ouais, ça pousse derrière. La touche complète. La touche assis. Ah, ballon. C'est dommage. Ça, c'est dommage parce que on lâche des munitions. La pénalité. Et derrière, on prend une pénalité sur. Son jeu à trop vouloir bien faire. Bon. Alors, c'est toujours l'éternelle question. Fallait-il prendre les points? Bon, c'est les gars qui ont décidé d'aller en touche. Ouais, c'est sûr. Après, voilà, les joueurs sont eux sur le terrain. Donc. C'est eux qui font les choix. Après, voilà, il faut se ressaisir. C'est pas grave. Hein. C'est pas. Les choix, faut les assumer. Donc. Allez. Une autre occasion de récupérer le ballon. Alors pour le coup, c'est beaucoup. Touche à 4. Ouais. Voilà, touche à 4. Milieu du terrain. Et Olivier a contré Beignat qui va faire un en avant derrière, c'est dommage. Il avait presque récupéré le ballon. Il va nous donner une lancement bien. Mais au moins, ça a contré. Ouais, voilà. Faut pas laisser de lancement de jeu facile, on a répondu présent, donc voilà, mêlée maintenant. Allez, mêlée sur les 15 mètres, quasiment sur la ligne médiane. Introduction pour le demi-mêlée Florent Campeggia de Bourg-en-Bresse. Jusqu'à maintenant, les mêlées ont été complètement stables, il n'y a pas eu un dominant-dominé comme on peut le voir de temps en temps. On voit qu'il y a deux joueurs violets sur le petit côté. Ouais. Donc, attention, oui. Attention à... au petit côté joué. Ballon très vite digéré et ça joue au petit côté. 8-9. Bien pris. Mais il est pris de suite. Point de fixation. Allez, ça rebondit de suite. Ouais, on va chercher la faute en retombant sur des joueurs de la mêlée. Ouais. Conteste par récompensé de Beignat. Elle joue au pied, ouais. Joue au pied sur les 50. Florent Campeggia qui va jouer au pied. Un peu long. Allez, c'est un peu long, Théo est tranquille. Soutien. Avec Silver. Allez, Silver qui a recouru un point de fixation. On a plus de 9, mais on va aller nous rechercher le centre du terrain. Et encore. Un petit souci à ce niveau-là, peut-être dans le soutien, c'est ça fait quand même après, trois fois. Quand... Un plaqueur qui... Ouais, c'est limite. L'arbitre siffle très vite, c'est vrai qu'il y a un soutien, voilà, le défenseur récent est là. Après, voilà, est-ce qu'il lâche À tort ou à raison, il siffle vite. Ouais, de toute façon, c'est peut-être maintenant, du coup, à adapter la... Ouais, adapter le soutien. Ouais, tout à fait, se rapprocher peut-être un peu plus. Et aussi à être à rester actif au sol. Mais voilà, encore une fois, on va pas dire que ce sont de grandes envolées des Bressans, mais une fois de plus. Et ils arrivent à nous mettre à la faute. Et l'occasion à tenter. Et mine de rien, Peter Nelson va essayer de se charger de passer le score à 12. Ce qui est fait. Ouais. Voilà, 24e minute. Et le score passe à 12-3 pour Bourg-en-Bresse. Encore une fois, sans produire beaucoup de jeux, hein, mais tout simplement se nourrir de nos erreurs, quelques fautes. Voilà. C'est sûr. Et voilà, on ne change pas une formule qui gagne.
Ah, alors je n'avais pas tout ça fait suivi l'action, apparemment l'arbitre de touche a signalé une faute. C'est Victor Pisano qui est. Qui serait monté un peu vite, enfin bon, ça semble. Ouais, ça ressemblait à un plaquage. Ah, j'ai pas vu. Pas que ça non plus, je suis Je suivais le coup de pied. Est-ce qu'il a été pris un peu à retardement? Je sais pas. Peut-être qu'on va voir le replay. Alors, discussion entre l'arbitre et le capitaine Olivier Auguste. Bon, simple réprimande et pénalité. Ce qui ne fait pas le bonheur du staff bressant, a priori, qui réclamait autre chose. Ouais. Bon, ceci étant, on va se retrouver sur une touche, une touche pour sur la ligne médiane, ouais. On dirait qu'il y a toujours un petit peu devant. On dit pas un peu. Ouais. Un peu de réunion aussi, on les touche. Bon, on prend le temps. Hein. Ouais. Allez, lancement. Et Nelson qui nous tape une grande chamelle. Sur Théo qui est très bien, très propre. Ouais, très propre, qui relance magnifiquement sur Madame une fois de plus. Allez, du soutien, il faut que ça parte au large. Il y a des gros là. Y a là. On a du monde sur les extérieurs. Ouais. Allez, Thomas. Oups là, attention Thomas, pas trop hésiter dans les 22, ça pourrait coûter cher. Non, c'est bon, il a bien sécurisé le ballon, le soutien est là, et Sylvain Rotto qui va aller chercher Brice Ferrer pour recréer un point de fixation, essayer de sortir de ses 22 et se donner un peu d'air au pied, je pense. Ouais. Voilà, c'est Sylvain Rotto qui s'en charge. Le ballon qui et reste en arrière de jeu. Qui va être à la lutte. Non, c'est Hugo Dupont, l'arrière de Bourg-en-Bresse qui s'en est saisi, qui est parti au sol. Bon, derrière, ça va. Allez, il faut sûrement monter là. Vite jouer au pied parce que c'est pas les Bressards ne sont pas replacés. Ouais. Il semblerait que notre ami Campeggia mette du pied derrière ce point de fixation. Voilà ce qui est fait. Et c'est Théo Gatelier qui va s'en saisir. Allez, c'est ce ballon qui ne trouve pas la touche. C'est Hugo Dupont qui va essayer de relancer. Mais la défense est bien en place. On est toujours sur la ligne des 50. Ça lâche rien. Ça lâche rien. C'est en place. Ouais, on récupère un ballon du coup sur la ligne médiane. Pas beaucoup d'inquiétude à avoir sur, pour l'instant sur la lecture défensive. Ouais. Voilà, c'est juste cette différence au score n'est due qu'à des petites fautes quand ils sont venus dans notre camp. Donc, si on arrive à gommer ça, je pense qu'il y a des opportunités à saisir. Allez. Allez, prise de balle. Etienne, Robert, à hauteur, Cucu. Allez, sur les extérieurs. Allez, il faut rentrer les courses. Bien, et ça va. Qui avance. Voilà. Il semblerait que le plaqueur n'est pas tout à fait lâché au sol. Attention, il y a peut-être un avantage. Allez, ça joue, faut jouer l'avantage, il faut pas s'arrêter de jouer. Ballon gratuit. Allez, pénalité, vite, ouais. Peut-être vite jouer là parce que ici il n'y a rien. Voilà, c'était une faute grossière quand même, hein, ouais. De la part des Bressans. Là aussi, c'est plein avertissement. Mais il est possible que Monsieur Charleroi, l'arbitre du match, commence à s'agacer de ces fautes qui ne sont pas graves mais qui sont un peu anti-jeu. Ouais, belle touche trouvée par Thomas dans les 22. Il va falloir être vigilant sur la discipline à force. Allez, une bonne opportunité là. Touche sur les 22, lancé Beniatowski. Elle touche à 6 plus 1 avec Arnaud en relayeur. Allez, il faut qu'on s'applique.
Voilà. Allez, on est bien structuré, on joue petit côté, Brice qui garde. Ah dommage. Ah dommage, on est en touche. Je vous dis un peu trop sur le sur la touche. Il y a les bonnes intentions, les intentions sont là, après c'est peut-être un peu précipité. C'est sûr. On voit qu'on est fort quand on garde le ballon, et là c'est dommage que qu'on sorte du terrain au bout du premier temps de jeu. Après il faut qu'on arrive à réguler ça, et pour après, on voit qu'on les déstabilise. Allez, ça joue. Allez, faut vite prendre là, faut pas là, louper le premier plaquage. Conteste, très très bon conteste d'Otoa. Je pense qu'il va peut-être falloir prendre les points quand même. Ah, ouais, Garnot qui rentre. Voilà. Là pour le coup, la décision est prise. Thomas Curuccia va tenter de convertir cette belle séquence défensive encore une fois. Ouais, on voit Thomas qui arrive à bien contester le ballon. Allez, on arrive à la 31e minute de jeu. Thomas Curuccia sur les 22, quasi, carrément. Un coin sur la gauche. Il va tenter de convertir cette pénalité. Poteau du milieu. Pas. Bravo. Allez, 6. Dax 6, Bourdouze, 31e. Allez, faut repartir maintenant chez eux. Voilà, si on pouvait. Il reste une dizaine de minutes avec les arrêts de jeu. Voilà, si on pouvait un peu recoller avant la mi-temps, hein, que nos amis Bressans ne repartent pas au vestiaire avec le moral au beau fixe, ça serait une bonne idée. Allez, Nelson qui se charge de cette remise en toujours jeu. Pareil. Toujours pareil. Belle prise de balle par Olivier. Allez, un point de fixation. Alors, directement par Thomas. Ah, Thomas qui renvoie la pression. Sur l'arrière. Non, c'est pas l'arrière, pardon. Sur Antoine Benoît, le numéro 8. Qui va chercher un point de fixation au milieu du terrain. Toujours pareil, on repart dans le défi. Ouais, ça joue très près. Voilà, on joue au près. Cellule 2-3. On va recréer une cellule. Attention, je crois que le ballon est tombé. Voilà. Bien. Bonne défense. Mais je pense que nos petits d'accord ont bien compris la stratégie donc les trois quarts de Bourg-en-Bresse qui touchent pas trop le ballon. Ouais. Mais des cellules de 3 qui circulent, du jeu autour. Et là, une petite perte de balle qui fait qu'on va récupérer ce ballon avec une mêlée au milieu du terrain. Ce qui veut dire deux côtés intéressants à jouer. Ouais, on peut faire des leurres de. Voilà. Et Thomas Curuccia qui va rester au milieu pour. Un peu en leurre pour déstabiliser la défense. Allez, voyons si cette quatrième mêlée va être aussi stable que les autres. Avec 4 joueurs d'Aqua en bas de l'écran. Allez. Ouais, ballon digéré. Allez, on va ouvrir à droite. Silver directement jeu au pied. Ouais, très bon jeu au pied qui va aller chercher la touche. Très bien. Quasiment à l'entrée des 22 de Bourg-en-Bresse. On occupe le terrain. Allez. C'est le moment là. Il faut peut-être aller chercher un contre en touche. Ou tout au moins les empêcher de revenir dans notre camp sur le coup de pied de dégagement. Ouais, tout à fait. Essayer de les perturber sur l'alignement, sur le lancer. Allez, c'est parti. Un ballon porté qui s'enclenche. Voilà.
ballon porté qui bien contenu, qui n'avance pas trop. L'arbitre qui a signé un premier arrêt, et du coup, au pied, Campedia, dévissé. Je pense qu'ils sont tous hors jeu. Ouais. Bien, ça va. Et l'arbitre. Allez, vite, 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 sur les extérieurs. Il y a de la place. Hein. Allez, vite. Allez, voilà. Allez, on redresse les courses. Allez, il faudra remettre. Ouais. Ah, c'est peut-être dommage ce ballon au pied. On va avoir porté. Ballon perdu. Encore une bonne séquence défensive sur ce cafouillage de coup de pied. Voilà, ça bouge pas. Bah, toujours pareil. Hein. On va sur une cellule. Comment tu l'as appelé, le petit train brissant qui se met en route. Et comme notre ami Campedia qui va mettre du pied et sortir ce ballon sur la ligne 50. Sauf que Brice va le jouer rapidement avec Théo Gatelier. Peut-être aller chercher, remettre la pression sur ce coup de pied. Ballon tout petit peu long, attention à l'embab. Bon, on ne s'embête pas du côté de Bourg-en-Bresse. Hein. Jeu simplissime. Devant, c'est cellule de 3 et après au pied au fond. Allez, Julien, Tèche qui relance ce ballon. Allez, les soutiens, vite, 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 vite. Les soutiens sont là, je crois qu'on a compris la vitesse d'arbitrage. Allez, celle-là encore n'est peut-être pas du sud-nord extérieur. Ah. Allez, on reste sur le terrain. Ah là, c'était Olivier Auguste qui était à bout de ligne là-bas. Allez, ça va rebondir. Là, ici, on place notre jeu. Si ça peut démarrer, parce qu'il n'y a que des gros là. Il ouais, y a de la place extérieure. Ouais. Hein. Allez. Celle-là, elle peut être bonne. Ah ouais, ici, ouais, passe. Allez, Lille, on donne. Allez. Et Julien qui va. Ah, magnifique. Allez, Juju. Ouais. Magnifique. Magnifique action. Quelle séquence. Superbe séquence. Oh là, quelle relance. Ah, ça fait du bien. Ah, celle-là, c'est... Celle-là, elle fait du bien. On l'a dit depuis le début, je pense que... La bah ouais, on est dangereux ballon en mer et... Ah, mais il me tarde de revoir le passage de bras de mon ami Assaf Aïe Totoa. Ouais, il aime bien ses ballons en bout de ligne. Ouais. À montrer dans... Ouais, il a joué... Magnifique. Il a joué demi d'ouverture... dans une autre vie, hein. En cadet. Superbe. Superbe essai de Juju de Chavannes. Ah, c'est top, ça nous remet en plus dans le match. On peut passer devant avec la transfo, donc... Tu vois ce que je disais là, si on pouvait les faire douter un peu avant la mi-temps, mais c'est parfait. Ah ouais, bien, t'as eu du flair. Ouais. C'était un espoir. Allez, Thomas Curucci qui va se charger de cette transformation pas simple, parce qu'elle est complètement en coin sur le bord de touche. Allez, va pas passer. Allez, 12-11. Allez, 12-11, voilà. On est à la 37e. 37e, c'est comme un 0-0 là. Tout est. Ouais, tout à fait. Tout est remis en question. Tout est mis à plat. On a bien compris que les Bressans ne sont pas venus pour faire de grands envolés pour l'instant. Oui. À la mi-temps, il y a changement, mais. On a vu le côté très simple. Un changement de hauteur sur le coup d'envoi. Ah oui, tout à fait. C'est droitier, centre, donc voilà, on cherche une autre zone dans l'axe. Voilà, mais Brice Frère qui est à la réception. Impeccable, c'est à la réception. On est sorti de 22. Est-ce qu'on va aller rechercher une cellule? Non, c'est Thomas qui va laisser donc obligatoirement. Allez, ça va. Qui fait tomber. Allez, faut mettre la pression. Allez, pression. Voilà. Bien. Très très bonne pression défensive. Mais les Dacquoises. Les Dacquoises, psychologiquement, il y a un petit ascendant qui est en train de changer, c'est parfait. Ouais. Tu es mieux placé pour moi que de savoir que la psychologie d'une rencontre bascule d'un moment à un autre. Ouais, sur des petites, des petites actions, on l'a vu. Une réception, un jeu au pied. C'est important de bien sortir du camp. Ouais. Et on l'a fait vu qu'on récupère une mêlée côté droit avec tout le terrain à balayer. Allez, et mêlée sur quasiment les 50 mètres. On a 6 km à stable. Attention, c'est passe. Allez, faut pas s'arrêter. Ouais. C'est dommage, c'est. Ces petites scories manquent un peu
de concentration peut-être. C'est voilà, faut tout assurer, hein, mais on a le leader en face, il ne faut pas l'oublier. Même si on est en, peut-être sur une phase ascendante de psychologie, comme on disait, mais là, ce genre de scorie ne devrait pas avoir lieu. C'est dommage parce qu'il y avait un bon lancement de jeu à faire. Allez, c'est pas grave. Mêlée sur les 40. Introduction Florent Campeggia pour Bourg-en-Bresse. Nous en sommes, le temps imparti est dépassé et nous sommes rentrés dans les arrêts de jeu. Allez. Allez, peut-être une bonne poussée. Bonne mêlée, bonne mêlée, bonne mêlée, bonne mêlée. Qu'est-ce que. Voilà, en avant. Très bonne mêlée. Voilà, allez. Je crois que l'arbitre va siffler la mi-temps. Ouais. L'arbitre va siffler la mi-temps. Sur le score de 12 à 11 pour Bourg-en-Bresse. Si on doit faire le bilan, Simon, de cette mi-temps. Le bilan, c'est. On a vu des belles séquences de la part des Rouges et Blancs, avec notamment un très bel essai. Et malheureusement, à côté, quelques petits points, je dirais, donnés assez facilement. Notamment sur des soutiens un peu là, et ce qui fait que Bourg-en-Bresse est venu à chaque fois, et a score à chaque fois. Donc, 4 pénalités par le biais de notre ami Peter Nelson. Ouais. Donc voilà, des choses à corriger comme ces placements des soutiens, et on l'a vu que quand on avait le ballon, on était dangereux, donc c'est ça. Voilà, à poursuivre. Faut pas qu'on s'en prive, aller chercher les extérieurs. Tout à fait. On vous laisse faire une pause, chers amis téléspectateurs Facebook et TV Land, on se dit à de suite. À de suite. Je te laisse 2 secondes, j'ai une petite interview à faire et je reviens. Ok, à tout à l'heure. Ah oui, c'est bonjour, c'est la mi-temps de ce match entre Dax et Bourg-en-Bresse. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Henri Beda, qui est conseiller départemental et chargé des sports, et qui vient représenter le département. Quel est le but de cette journée, monsieur Beda? La relation avec l'USED? Alors, c'est une relation avec l'USED comme avec d'autres partenaires, du niveau, on va dire, élevé, professionnel. Nous intervenons sur quelques journées comme ça pour la promotion du rugby. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est un peu difficile dans le contexte où nous sommes, puisque forcément, il n'y a pas de public. Mais sinon, c'est un moment de solidarité, de partage avec souvent des scolaires. En tout cas, c'est une action pour soutenir le club, parce que dans ces moments-là, ils en ont besoin. Et que ce soit le Stade Montois, que ce soit Basket-Arne, que ce soit l'Astiros, c'est la même chose.
Benoît, évidemment, j'imagine, Benoît Auguste, notre président, j'imagine que le soutien du département est important pour le club aussi. Alors, le soutien du département est très très important, il est surtout primordial. C'est vrai que, par la voix de Henri Bévert, d'ailleurs, je les en remercie, ils sont là pour, non pas uniquement pour l'USD, mais pour le sport dans les Landes, qui est quand même un département très sportif. Le conseil départemental est au soutien de tous les clubs, et c'est vrai qu'on a plaisir à travailler avec eux. On a une convention où des joueurs vont venir faire des interventions dans les écoles pour promouvoir la bonne parole du rugby, parce que c'est quand même un très joli sport. Et il y a pas mal de clubs dans le département, et c'est vrai que d'avoir un soutien comme ça, c'est toujours appréciable pour un club comme le nôtre. Justement, M. Moulin, dans ce contexte sanitaire exceptionnel, le conseil départemental a envisagé quelques actions à pouvoir nationales, ou SED, pour avoir un soutien, ça s'envisage. Alors d'une façon générale, on va dire pour le sport en général, mais l'US Dax, Omnisport est concerné aussi, on a mis en place un fonds de solidarité aux associations, c'est-à-dire on avait mis 500 000 euros déjà l'an dernier à destination des associations, des petits clubs, sans être péjoratif, hein, mais des petits clubs qui n'ont plus de recettes aujourd'hui, qui n'ont plus de billetterie, enfin comme ici, qui n'ont plus de recettes de buvette de loto. Donc à un moment donné, il leur manque des espèces sonnantes et trébuchantes pour finir une saison. Donc aujourd'hui, effectivement, d'une façon large, tout le sport landais est soutenu. Il suffit de remplir un dossier, bien sûr, et de faire apparaître, bien sûr, les dépenses, le manque à gagner lié au... je vous dis, encore une fois, c'est la perte de billetterie, mais la perte surtout du loto, du concours de belote, la buvette. Quoi, hein. Au-delà du sport, du soutien traditionnel au sport professionnel, qui est ce qu'il est. Il n'est jamais assez. Quand on est supporter, c'est jamais assez. Quand on est dirigeant, c'est jamais assez. Et effectivement, on a mis des règlements avec des niveaux. Et pour le moment, l'USD n'est pas au plus haut niveau. Donc effectivement, on n'a pas le même niveau que le Stade Montois, pour que ce soit clair, pour tout le monde. Quoi. Et le Stade Montois, ils en ont sûrement pas assez aussi, parce qu'ils en voudraient, et je les comprends, ils en voudraient plus. Hein. Sûrement. Nous, Benoît, comment on traverse cette... Mais nous on la traverse déjà, je crois qu'on a le grand plaisir, les joueurs ont surtout le privilège de pouvoir encore jouer au rugby, ce qui est plus qu'appréciable quand on sait que tous les autres clubs sont à l'arrêt. Je crois que le conseil aussi départemental n'a pas attendu cette crise pour se rendre compte de l'importance du sport, de son rôle sociétal. On se rend compte que les gens maintenant se rendent compte aussi l'importance qu'il y avait de tous les dimanches d'aller pouvoir se retrouver, que ce soit dans les petits villages ou même dans les grandes villes, et c'est appréciable de travailler là-dessus, et je suis sûr que le sport dans les Landes a encore de beaux jours à vivre, que ce soit au niveau amateur ou professionnel. Oui, je pense qu'on est tous contents de se retrouver le peu qu'on est cet après-midi, de faire vivre à travers la TV Landes. Pronostic, monsieur Vedat, pour la fin de cette rencontre. Ouais, je reste sur la fin de match, la fin de la première mi-temps qui m'a donné de bons espoirs. Je pense que ça devrait le faire, mais je pense qu'ils sont venus pour gagner. Ils sont pragmatiques, donc il faut éviter de faire des fautes. Mais quand on a le ballon, je crois qu'ils montrent qu'ils savent s'en servir. Hein. On n'a pas à rougir pour des rouges, on est d'accord. On est d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.
Eh bien, nous revoilà après la pause, pause de citron. Voilà, c'est ça. Les joueurs qui sont de retour sur la pelouse. Voilà, donc c'est le coup d'envoi va être donné par nos amis bressans. On a rechangé encore deux buteurs puisque c'est le centre Mathis Vierre qui va donner ce coup d'envoi. C'est bon, on a l'image, Simon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Tout est calé. Allez, l'arbitre qui siffle, c'est parti. On vous rappelle que... Pardon, on est sur le score de 12 à 11 pour Bourg-en-Bresse. Allez, Thomas Curucci qui va aller taper une grande chandelle dans l'angle. Et Hugo Dupont qui s'en saisit l'arrière de Bourg-en-Bresse pour aller chercher un point de fixation au centre du terrain. Petit côté. Encore une belle lecture défensive. On va voir s'ils ont changé de stratégie, mais a priori, pas pour l'instant. On ferait des cellules de 3. On va dans l'affrontement. Et un jeu au pied. Et du jeu au pied derrière. Court. On va taper quand même. Récupéré par l'ailier de Bourg-en-Bresse. Et le jeu qui s'écarte sur la droite. Allez. Encore un jeu au pied, une chandelle. Il faut qu'on se parle. Allez, dommage. Attention. Attention. Julien qui a loupé ce ballon, ça laisse une occasion. Au Bressan et qui va aller. Ouais, ça a été bien, l'action a été bien arrêtée. Allez, on laisse en jeu là, on va repartir sur les extérieurs peut-être. Allez, Arnaud Aletti qui s'est jeté sur ce ballon. Ah, qu'il a reperdu, dommage. Ouais. Bonne pression, hein. Ouais. Bonne pression, ça monte vite, on les laisse pas jouer, ça c'est plutôt intéressant. Du coup on ralentit le jeu, ils sont obligés de se restructurer. Ouais, bien pris aux jambes, Étienne. Ouais, pas faire de faute sur ces zones là. Ouais, ballon perdu. Je pense que l'arbitre va nous rendre le ballon. Voilà. Mêlé. Simplissime hein, le jeu Bressan, ouais. Mais simplissime ouais. À lire aussi, à défendre peut-être. Donc, ouais, mais il faut faire gaffe parce que ça peut paraître simple comme ça, mais... Ouais, physiquement ça peut peser aussi. Ouais, ouais. Et puis c'est du jeu dur, où voilà, il faut répéter les tâches défensives autour du ruck, autour des points de fixation, donc il faut vraiment être vigilant autour, pas se laisser avoir ou être présent. C'est être présent et puis voilà, gommer ces fautes qu'on a pu faire en première mi-temps qui nous ont coûté 12 points un peu bêtement on va dire. Voilà. Allez, première mêlée de cette deuxième mi-temps, mais toujours aussi stable. Ouais, si c'était une belle mêlée, petit côté, Silver. Voilà, Silver qui va chercher, mais touche directe, un peu long, dommage. Du coup, ça va rendre une touche au Bressan sur les 30 mètres. Lancé pour Julien Clément, le talonneur de Bourg-en-Bresse. Voilà, bonne prise de balle. Ça joue autour. Oh, ouais, je crois qu'il y avait... On semblait avoir vu une petite faute de passage à vide, mais bon. Allez, attention, les Bressans là qui sont dangereux. Pénalité en cours. Ballon gratuit pour les Bressans qui vont aller chercher l'extérieur, qui perdent le ballon et l'arbitre qui va revenir à la pénalité. On en revient toujours. Ouais, restons vigilants là autour. On a vu que voilà, ils ont amorcé un ballon porté pour finalement jouer. Ils ont feinté le ballon porté pour jouer autour. Et après on a vu vite le changement de vitesse. Et qu'ils ont trouvé la brèche, ils sont venus à plat avec de la vitesse.
Et à partir de là, c'est dur à défendre, quoi, parce que nous, on n'est pas replacé, la ligne n'est pas faite. Donc, à nous de faire les efforts et à ne pas se faire avoir sur des feintes comme ça. Voilà, donc on a décidé de changer de buteur. C'est Mathis Bière là qui va se charger de... Je crois que Peter Nilsson est... Ouais, il est sorti. Ouais. J'ai pas vu, il j'ai est pas sorti, vu le changement. Remplacé... Par Benjamin Doit, hein, ouais. Sûrement. Ouais. Numéro 21. D'accord. Voilà. Et voilà. Pénalité transformée par Mathis Viard. Ce qui ramène l'avantage au score pour Bourg-en-Bresse à 15 à 11. Allez, le coup d'envoi donné par Thomas Curucci dans les 22. On change de côté. C'était Lili, Willem, Christian, Erasmus qui s'en est chargé. Évidemment, jeu au pied derrière qui va rendre le ballon à Thomas Curucci qui tend une chandelle à l'arrivée prise par Hugo Dupont l'arrière qui va recréer un point de fixation au sol. Et j'imagine que derrière, on va remettre du pied. On a à peu près compris la stratégie. Ouais. On a le temps du côté de Bourg-en-Bresse. C'est ça, on mène, on gère. Voilà, joue pied un peu court. Allez, il faut être dessous. Hein. Allez, il faut réussir à choper ce ballon. Voilà, bien pris là par toi. Ballon là, encore une fois. Et on va aller chercher l'arrière, ce qui va ramener un peu de pression dans le camp landais. Thomas Curucci qui saisit le ballon, qui lui aussi va renvoyer le ballon. C'est pas mal tapé. Attention, dommage. Ouais. Je crois qu'il s'est fait mal, Thomas, je crois, en plus. Non, ça va aller. Jopier, on s'embarrasse pas. On met la pression. Et Théo Gattel est très bien placé une fois de plus. Qui lui aussi va ramener dans le camp bressant. Allez, Mathis Viard. Qui recrée une chandelle. C'est une petite... Aïe, aïe, aïe. Julien de Chaval qui commet un en avant. C'est dommage. C'est un faux rythme ce match. Ouais, ben ouais, c'est un faux rythme. On joue à... Voilà, on essaie de faire déjouer l'adversaire plus que de... Que de jouer, voilà, ouais, c'est ouais. Ça. On est plus sur une stratégie de dépossession où, voilà, on... C'est ça. À la moindre erreur, on va chercher la faute. De s'exploiter. Ouais. On va chercher la faute, on met en difficulté mentalement l'adversaire, psychologiquement, on part du jeu au pied, du jeu haché un peu, et voilà, c'est à qui restera le plus lucide. C'est ça, et Bressant a l'air d'avoir un peu d'expérience à ce jeu-là. Ouais. Alors, allez, on coach ouais. Sur du côté d'Aqua. Sortie de Beniat. Beniatowski qui sort remplacé par Elvis Lévy et Thomas Curucci remplacé par Felipe Berkessi. Allez, mêlée sur les 35 mètres dans le camp d'Aqua. Introduction Florent Campeggia pour Bourg-en-Bresse. Personne n'a pris trop d'arsenal en mêlée pour l'instant. On est, ouais, ça reste c'est très, stable. Très propre, ouais, ouais, ça joue c'est petit propre, côté. Ouais, ouais. Ouais. Et le ballon qui va. Oula, non, qui va pas sortir en touche. Attention, qui a été poussé au pied, repris par les Bressans. Oula, il va falloir défendre sévère sur la ligne d'en but. Là. Avantage en cours. Parce qu'on s'est mis, on est venu un peu sur le côté a priori. Attention, l'ailier qui réclame le ballon ici tout seul. Je pense que les avant-bressants vont vouloir s'en eux-mêmes marquer. Allez, on défend. On laisse le corps à la patrie là pour le coup. Non, alors
qui refuse de laisser. Il y avait un rouge dessous a priori. La pénalité. Attention au carton, ouais. Que l'arbitre soit. J'ai peur qu'il nous sorte la biscotte, monsieur l'arbitre. Il appelle le capitaine Olivier Auguste. Un carton. Ouais, voilà. Carton jaune pour Étienne. Étienne Noiret qui prend un carton jaune. Bon. Si c'est un carton pour avoir sauvé l'essai, pourquoi pas. Ouais. Donc on est à la 50e minute. Étienne Noiret reviendra. On va la marquer à 60. Par contre, bon, en bref, c'est pragmatique. On va pas en touche, on prend les points. Allez, Mathis Viard qui s'est chargé de la transformation, ce qui donne le score de 18 à 11 à la 50e minute. Ouais, allez. Allez, maintenant il faut remettre la main sur le ballon parce qu'on ne l'a pas trop vu depuis la. Non, c'est ça. Depuis la reprise à mi-temps, donc on nous a mis d'accord, même si ça pousse derrière avec nos supporters derrière la haie, il faut que remette cette main sur le ballon et aller chercher ces fameux extérieurs qui nous ont fait tant de bien en fin de première mi-temps. Bien Mathieu, bon contest. Ah. Allez, on passe s'embarrasser, on tape en touche. Et même si Brice Ferrer s'était accaparé du ballon dans la touche, on n'a pas pu la jouer rapidement, donc ça va donner un lancer à Elvis Lévy. Allez, c'est peut-être la balle qu'il nous faut là pour aller chercher un peu d'oxygène, un peu de baume au cœur et vraiment donner du rythme à ce match qui tombe dans un qui tombe, ouais, c'est pas bon. Ah non, c'est pas droit. Ah, toutes ces petites fautes vont nous coûter cher. C'est dommage. C'est dommage, ça donne une mêlée sur les 15 mètres dans le camp de Bourg-en-Bresse. Introduction Florent Campeggia une fois de plus. Mais on se prive, Simon, on se prive de bons ballons là, c'est dommage. Allez, mêlée toujours aussi stable. Ouais. Attends, on est à 7. Ah, l'arbitre qui s'y fait l'avantage. Ouais. Attention, vigilant. Ouais. Ah, l'arbitre qui va revenir à l'avantage mêlé. Qui semblait pas flagrant, mais bon. Le ballon avait l'air d'être digéré, donc on doit être joué. Ouais. Monsieur Charleroi en a décidé autrement. On va respecter sa décision, mais c'était comme tu dis, le ballon était digéré et sorti, donc bon. Allons-y donc, je pense que Mathis Vert va se charger de venir chercher la touche dans notre camp. Et c'est fait. Et plutôt bien fait puisqu'il rentre dans les 22. Ah, est-ce qu'il va donner un bon lancer à Julien Clément? Touche à 6 avec un avant relayeur. Allez, on va au milieu d'alignement, ballon porté.
bien contré pour l'instant. Ça n'avance pas si maintenant dans un deuxième temps. On n'est pas à la faute. On a bien nagé au milieu du regroupement là, c'est pas mal fait. Allez, bien pris. Allez, bon contest. Oh. Oh. Voilà, ça chauffe sur la ligne. Parce que c'est 8 Antoine Benoît là, qui a fait une grosse percussion. On va rejouer avec les avant. Cellule. Encore une fois. Sur la ligne des 5 mètres. Allez, on va rechercher les avant du côté Bressan. On est toujours sur un avantage en cours. Donc de toute façon, ils vont essayer de jouer le coup jusqu'au bout. Ça chauffe. On va revenir avec les avant. Nouvelle cellule. Évidemment, bon, j'ai bien compris qu'on n'aurait pas de grandes envolées cet après-midi du côté de Bourg-en-Bresse. Non, et voilà, c'est terminé. Et on revient à l'avantage. Pénalité quasiment face au poteau. Parce que vous l'attendez autant que nous, ça conteste un peu sur les décisions arbitrales dans le camp d'Aquois. Mais... C'est vrai que c'est assez sévère. C'est sifflé, certes, mais bon, on pensait que le contest de Robert le contest semblait blanc, mais bon, c'est comme ça. M. Charleroi en a décidé autrement. Ce qui vaut à Mathis Viard, une fois de plus, de se présenter devant les poteaux, vers mettre quasiment face au poteau. Ouais. Porter le score à 10 points. L'écart va devenir un petit peu conséquent. Voilà, il ne s'est pas fait prier pour la transformer. Donc, en 56e minute, on porte le score à 21-11. 10 points d'écart. Là, il va falloir vite s'y mettre quand même parce que on parlait d'ascendant psychologique. Là, pour l'instant, ce sont les Bressans qui l'ont. Sans montrer grand chose, hein. Encore une fois, se nourrir de nos erreurs. Mm. Et voilà, ils viennent dans notre camp et ils exploitent les fautes, les petites inattentions. C'est ça. Allez, on a la première. La joie de voir la rentrée de notre ami senior. Notre poutre. Toya Fa arrivé il y a quelques semaines, sortie de Mathieu. Mathieu Bidot qui cède sa place. Samadoulaye qui a repris le ballon sur le coup d'envoi. Arnaud, allez, on est à 5 mètres de la ligne. Allez, là, il faudrait aller vite. Allez, il faut mettre du rythme là. Enfin, ah là, par contre, ouais. Ouais. Ouais, alors là, il va falloir m'expliquer comment le hors-jeu du troisième ligne Bressan n'est pas sifflé parce que. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait là. Qu'est-ce qu'il faisait là, c'est la première question. La deuxième, c'est avait-il le droit d'être là? C'est non. Mais M. Charleroi n'a pas vu la même chose. Voilà. Bon. Alors, on va pas jouer les chauvets, hein, mais. C'est dommage, on avait un petit peu contestable quand même. Être à 5 mètres de la ligne. Ouais. Allez, allez, allez. Ah, il faut peut-être marquer le coup en mêlée là. Et la rentrée de Seignot peut-être. Ouais, nous apporter de la puissance. Faire beaucoup de bien, voilà. Hein, c'est, amener cette puissance là qui peut nous faire avancer sur quelques mètres. Ça peut être sympa. L'introduction Campeggia. Ouais, je pense qu'il faut mettre une pression là sur cette mêlée. Elles ont été stables jusqu'à maintenant. Il faut marquer le coup là, c'est le moment. Allez. Ah, voilà. Comme par hasard. Ça s'effondre. Si l'arbitre va recommander la mêlée. Allez, on se remet en place. Allez, on est à 10 mètres de l'embute de Bourg-en-Bresse, c'est encore une fois c'est le moment d'aller mettre un coup de pression.
parti, on est à plat, hein, côté d'Akoua, on est à plat côté Bressant. Ça sera du jeu au pied sûrement. Ah, il faut le sortir. Allez, il faut le sortir, mais là il sort pas ce ballon. C'est un peu... Allez, vite. Allez, il est pris, c'est très bien. Mettre au sol, il est contesté. Allez, mettre un peu de pression sur le jeu au pied qui va arriver derrière. Allez, nouvelle cellule. Ouais, voilà. Alors l'arbitre qui considère que... Je sais pas qui c'était qui n'a pas mis les bras pour plaquer. J'ai bien peur que ça ressemble à un deuxième carton jaune. Voilà. Eh bien, sitôt rentré, sitôt sorti, notre pauvre Seigneau. Qui écope d'un carton jaune sur ce... On va le qualifier de plaquage dangereux selon l'arbitre puisqu'il n'a pas enlacé son adversaire et qu'il a fait basculer. Donc voilà, plaquage interdit. Mais là c'est pas simple parce qu'on se retrouve à 13. Et je crois qu'Étienne est re-rentré ou va re-rentrer d'ici peu. Ça serait souhaitable. Ouais. Oui, ça va faire 10 minutes, on était à la 50e, donc Seigneau reviendra pour les 10 dernières minutes du match. Voilà, allez, Mathis Viard qui va s'occuper, se charger d'aller trouver une touche à hauteur des 30 mètres, quasiment. Allez, vite, allez, maintenant, essayer de mettre un peu de rythme là, parce que c'est vraiment... Ça s'endort, hein. Ça s'endort et je crois qu'on se laisse un peu endormir. Mais après c'est leur jeu, de toute façon, ils ont le score, ils ont le score et le peu du rythme. Et nous, le peu de ballon que nous avons. Ça rend la partie un peu lâchée, quoi. Ouais. Alors gros ballon, attention, là il y a un gros ballon porté, petit côté qui est joué par Campeggia, qui va taper directement en touche. S'il a droit de se tromper, et tant mieux pour nous. Allez, ballon important. Là, il faut vraiment le prendre. Il faut que Captain Olive nous commande ce ballon en touche, qu'il soit pris proprement. Allez, touche réduite. Voilà, encore un ballon perdu en touche, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Si on n'a pas nos munitions, ça va devenir très très compliqué. Ouais. On passe notre temps à défendre, même si Étienne Loret est revenu, on est quand même encore en infériorité numérique. Et une fois de plus, on leur laisse les ballons. C'est bon. Campeggia commence à être peut-être un peu fatigué. Il commence à faire quelques petites fautes. Il faudrait s'en nourrir. Allez, il faudrait une belle offensive là. Alors qu'est-ce qu'il nous faut aussi? Bon, une belle offensive, aller jouer chez eux et si on va. Voilà, là on est à 10 points donc. En moins de 20 minutes de la fin, là ce qu'il faudrait c'est un bon lancement de jeu, essayer de les déplacer. On a vu que. Ils ont fait détacher, ils ont mis deux joueurs sur le deuxième et troisième rideau, donc ça veut dire qu'il y a des espaces, même si on est à 14. Donc voilà, il faut jouer tout à fond là, on n'a plus le, on a plus le droit de gérer, d'occuper ou quoi que ce soit. Donc voilà, jouer sur nos qualités surtout. Voilà, et surtout s'appliquer, concentrer sur les ballons, pas de scories là comme on a pu les voir. Depuis 60 minutes quasiment, faire des petites fautes de merde. Allez, une bonne mêlée pour commencer. Allez, bonne, toujours stable la mêlée. Allez, Felipe qui décide de reporter le jeu au fond. Attention que ce ballon ne sorte pas de l'embut. Non, ça va rester dans l'embut. Donc ça va être sûrement un renvoi 22. On gère le temps du côté de Bourg-en-Bresse comme d'habitude. Attention, vigilant. On va faire tourner le chrono, je m'inquiète pas.
Et Mathis Hivert qui va se charger, se charger de ce renvoi au 22. Sûrement long. Pour aller remettre la pression au fond. Voilà. C'est pour les bras des Savas de l'Aï. Ah, qui vient au sol. Allez, Hivert qui va chercher Brice. On repart de l'autre côté. Allez, il faut aller chercher. Faut rentrer là. C'est fait, soutien, c'est reparti. C'est dommage, c'est pas celles-là qui sont pas assez appliquées, qui viennent dans les chaussettes. Et du coup, ça ralentit le ballon, mais on est obligé de recréer un point. Allez, on repart au pré avec Brice Ferrer. C'est vers Otto à la manœuvre pour Théo Catelier. Allez, voilà. Il passe. Voilà, là, 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 là. On a du déchet technique. Qui fait la joie des Bressans. Ils avaient peut-être pas besoin de ça. Allez, qu'est-ce qu'ils vont nous chercher? Un peu les extérieurs pour une fois. Mais c'est contré. Olivier Auguste qui se jette sur ce ballon, sur ce coup de pied. Le ballon nous est rendu. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Elvis Lévy qui va chercher un point de fixation. C'est Verotto qui va chercher Philippe Herbert ici pour un jouer au pied pour Essa Vadaï sur la ligne. Tout seul. Allez, il prend le ballon. Ah, dommage, qui trébuche. Et attention, il faudrait venir en soutien parce qu'il est tout seul. Ouais. C'est bon, il a sécurisé le ballon, c'est parfait. Allez, vite au large peut-être. Encore ces ballons. Ah, c'est dommage, c'est ces erreurs techniques là qui nous coûtent de la vitesse, c'est un peu dommage. Il y a des intentions, c'est plutôt intéressant. Il faut continuer là. Continuer, on a le ballon. Allez, Lilo. Allez, Robert qui nous met dans l'avancée avec Julien. Allez. Allez, va chercher Edon. Va chercher Edon. Il va fixer. Ah, c'est dommage. Allez, il faut continuer. Ouais. Allez, vite ici. Vite dans le grand côté, il n'y a plus personne. La défense n'est pas repassée. On a un avantage en plus. Allez, encore. Allez. Allez, aussi au bout. Allez. Brice Ferrer, allez, qui va rechercher un point. Allez, il faut qu'il sorte vite ce ballon. Il faut qu'il sorte vite. Ah, c'est Victor qui va rechercher sur le petit côté. Allez, le show vive. Ah, on est à un mètre de la ligne. Allez. Olivier Auguste, c'est un bout de course. Faut marquer. Ouais. C'est un temps fort, il faut vraiment marquer. C'est peut-être le 10. Essai. Allez. Celui-là, il fait du bien. Et c'est bien même à 14. Hein. Ouais. Surtout à 14. Ouais. Surtout à 14, on a vu que voilà, on a le ballon. C'est. Eh bien, dès qu'on a le ballon, c'est ça le truc. Voilà. Dès qu'on a le ballon et que on n'a pas trop de déchets techniques qu'on peut avoir de temps en temps. On arrive à enchaîner les temps de jeu, on arrive à. Allez, on peut inverser la tendance, c'est possible. Allez. Il reste encore 13 minutes, plus quelques arrêts de jeu, c'est dans 3 minutes ou moins même. Notre ami Seigneau va revenir fouler le pré. Ouais. On va remettre les équipes à 15 contre 15, ça peut le faire. Bon, ce groupe nous a montré depuis 4 matchs hein, qu'il ne lâchait rien, que c'était des gagneurs, que voilà, donc c'est encore un samedi pour le montrer. On va attendre la transformation de Felipe qui ne passe pas. Donc 21-16, rien n'est fini, c'est pas rédhibitoire, on peut revenir. Maintenant, c'est remettre de suite la main sur le ballon, aller rejouer chez eux et chercher nos extérieurs parce que c'est encore une fois les extérieurs qui nous ont fait gagner. On le voit, on a trouvé Julien et Olivier sur les extérieurs deux fois. Ouais. On a avancé de 30 mètres, donc voilà, allez, faut continuer. Et l'entrée de l'achat qui remplace Arnaud Aletti. L'achat Lomizegrand, voilà. Et Antoine Renaud qui remplace Julien de Chavannes. Donc je pense que Théo va passer à l'aile. Théo va passer à l'aile et Antoine à l'arrière. À l'arrière, voilà. Allez. Allez, ce renvoi, il est vachement important, ouais. Très très important. Je sais pas ce qu'on attend encore. Mais on attend. Ouais, je sais pas. Attendez que monsieur l'arbitre discute avec l'entraîneur de Bourg-en-Bresse. Bon, voilà, ça y est. Ils ont fait, ils ont disserté, on peut y aller.
Allez, et ça va, qui va aller sous ce ballon. Yeah. Voilà, bien pris. Allez, c'est propre. Avec lui. Allez. Voilà, il faut garder le ballon, rester sur le terrain. Bien Théo. Ouais, Théo, l'atelier qui bonifie tous les ballons. Il n'y a pas un gâchis, c'est parfait. Allez, Elvis Lévy qui va rentrer avec un peu de vitesse. C'est parfait. Allez, on remet de la vitesse. C'est parti. Allez, Antoine Renaud qui met des cannes. Léo aussi avait, là, semblerait être pris un peu haut quand même, mais non. Ouais. Allez, ouf. Ils montent très vite, c'est vrai ça. Hein ouais, très vite, ils sont. Non. Ah ouais, non mais. Bon là. Ça devient compliqué quand même. C'est pas possible là. Moi je veux bien qu'ils montent très très vite, mais ça devient difficilement jouable. Et bien voilà, ça donne une nouvelle occasion à Mathis Viard. Toujours pareil, on est dans le même pré, dans le même pré-carré là, 25 mètres, un peu à gauche des poteaux. D'accroître un peu plus l'avance de Bourg-en-Bresse. Ah, qui passe à droite. Qui allez. Passe à droite. Allez. Joker. Au 22. Au 22. Seigneau qui re-rentre. Non. Oui, non. C'est oui, pas. C'est pas. Allez. Il a déjà une minute de rabais quand même. Donc, c'est bon. Et Simon Gatuin qui remplace Sylvain Roto. Ouais. À la mêlée. Voilà. Nous revoilà donc à 15 contre 15 pour les 9 minutes de temps réglementaire sans compter les arrêts de jeu. Allez, mise en jeu Philippe Berkessi, pardon, qui tape loin dans les bras de Mathis Viard. Qui va sûrement. Et derrière. Aller, ah, mais non, c'est pas un coup de pied. Coup de plaquage d'Elvis. Très bon plaquage. Allez, allez, faut monter, faut monter. Allez, ça défend bien. On est présent. On se consume. Ah. Oh. Là, les décisions arbitrales sont à 5 contre 1, là. On attend. Même, je crois que notre capitaine Olivier Auguste s'agace un peu. Il ne comprend plus du tout les décisions. Et même s'il faut garder son sang-froid, franchement, là, ça devient très compliqué. Allez, pénalité. Mathis Viard va aller chercher une touche dans. Ben, même pas dans les 22 mètres. À l'entrée des 22 mètres. Allez. Mise en jeu pour Bourg-en-Bresse. Allez, allez. Allez, Elvis. Voilà, allez. Elvis qui s'est jeté sur ce ballon sur mauvais lancer. Bressant, c'est parfait. Allez, on va aller jouer dans notre camp de Bourg-en-Bresse. Philippe Berkessi qui a renvoyé un grand ballon qui va arriver allez, à l'entrée des rideaux. Allez, un bon rideau. Il va, de toute façon, il va mettre du pied l'arrière. Voilà. Le pied un peu long. Allez, il faut y être. Oh, ça s'est joué. Ça s'est battu en l'air. Mais c'est les Bressans qui. Il faut monter, il faut monter. Allez, 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 allez. Un peu plus en droit, on va dire. Bien, 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 bien. Ballon récupéré. Allez, allez. Une bonne mêlée là. C'est le moment. Allez.
Allez, rien n'est perdu. Il reste encore 6 minutes de temps réglementaire, encore une fois, sans compter les arrêts de jeu. On s'applique, le petit rouge s'applique sur cette mêlée, mais bon, Seigneur est revenu, ça doit pousser. Pourquoi pas aller récupérer une pénalité d'ailleurs ? Ouais, ça ne ferait le plus grand bien. On se lève, on a mal aux jambes. Ouais, on est tendu. Ouais, on a envie de. Enfin, moi j'ai pas envie d'y aller. Moi oui. Allez, encore une fois, une bonne mêlée, bien stable. Allez, peut-être aller chercher quelque chose. Allez, vite, vite. Allez, allez, allez. Ça se relève. Qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il dit rien. Il dit qu'il faut la refaire, monsieur l'arbitre. Ah, j'avais oublié de mettre des petites croix pour les pénalités en deuxième mi-temps, j'aurais dû le faire parce que on ne doit pas trouver du Fanny pour nous, mais beaucoup pour Bourg-en-Bresse. Ouais, c'est vrai. Alors, on refait cette mêlée. Introduction Simon Gatuin. Ouais, et d'à quoi qu'ils font les... Oh, qu'est-ce qu'ils sifflent encore ? Ben, il siffle à refaire en attendant le chrono tourne. Ça arrange pas nos affaires. Ouais, ça fait le jeu de Bourg-en-Bresse. C'est ça. Voulu ou pas voulu, je ne sais pas, mais ça fait le jeu de Bourg-en-Bresse, comme tu dis. Allez, pour la troisième. Alors que tout s'est bien passé jusqu'à maintenant en mêlée. Et bien là, c'est la troisième mise en position. À la demande de monsieur Charleroi qui envoie les commandements. Et allez, on prend l'ascendant, mais c'est pas sifflé. Allez, Philippe Marchesi qui a tapé une grande chandelle. C'est l'ailier de Bourg-en-Bresse qui se charge de relancer ce ballon. Allez, on y va, on est au contest, c'est pas mal. Dommage à Simon, il n'a pas pu mettre les mains sur le ballon. Allez, une cellule. Pim poum. On va refaire une cellule et on va aller chercher du pied, comme d'habitude, par Mathis Viard. Allez, Felipe, qui va lui aussi relancer. C'est bien tapé, ça. Allez, faut être dessous, faut le prendre. Aïe. Oui. Ah, Elvis, oui. Ah, oui. C'est dommage, ça a été nettoyé, il était bien. Oh. Oh là. Ah, non, mais là, c'est... Alors c'est pas possible qu'il... Le signe de monsieur l'arbitre, je peux pas le comprendre puisqu'on n'a pas le ballon. C'est pas... Là c'est incompréhensible. Puisqu'il dit que c'est un d'accord qui a gardé le ballon alors qu'on n'avait pas le ballon. Bon. Je pensais plutôt que le contest d'Elvis Lévy était pas mal, mais bon. Eh bien, encore une fois, nous allons aller sur une pénalité. Touche au 22 pour Bourg-en-Bresse. Une énième, j'ai envie de dire, je ne compte plus, parce qu'on ne peut plus compter. Plus de doigts. Ouais, lancé sur les 22. Ouais, ballon porté. Bien contré. Seigneur, il a bien nagé, c'était très bien. Ouais. Il faut défendre fort, Premier arrêt, non ? Olivier qui est sur le ballon. Ouais. C'est gagné. Et ouais, mais. Allez. Mêlée récupérée. Très très bien défendu. Et Olivier qui vient bien nager, mettre les mains sur le ballon pour nous donner l'avantage de la mêlée. Il est agacé, Olivier. Ça se sent. C'est bien ce qu'il fait. Il permet de récupérer le ballon et de mêler. Et pourquoi pas là de faire un bon lancement de jeu là. Allez. On est à la 79e minute. Ouais. Mais il va falloir traverser tout le terrain. Parce qu'on est dans, nous sommes dans nos 22.
Allez, allez, c'est bon. Peut-être aller forcer cette mêlée, chercher peut-être une pénalité qui pourrait nous permettre d'aller jouer de l'autre côté des 50 mètres. Allez, s'il y a un effort à faire, c'est peut-être celui-là. Allez, Simon Gatuen qui a introduit le ballon, on fait l'effort. Ah, et bien voilà. Vite. Allez, il faut vite aller jouer là-bas. Allez, on a mis une grosse pression à mêlée qui nous donne une. Ce arbitre nous donne une pénalité. Il faut aller. Faut aller chercher. Philippe qui va aller chercher une touche. Wow. Bravo, magnifique. Magnifique. Une superbe touche. Une superbe touche dans le camp de Bourg-en-Bresse. Allez, là il y a munition. Ouais. Là il y a balle de match. On vous rappelle le score, Bourg-en-Bresse mène 21-16, le temps réglementaire est terminé, on est rentré dans les arrêts de jeu. Ouais. Combien y en aura-t-il? On n'en sait rien. C'est à la volonté et au chrono de M. l'arbitre d'en décider. Allez, en tout cas, avec Simon, porté, là, on est debout, ouais. On n'en peut plus. Ouais. Allez, il faudra gros, ouais. Une bonne conquête. Ah oui, Beniat Ouski est revenu sur le terrain. Je vais louper le changement, désolé. Oui, parce que Elvis Lévy se fait soigner sur la touche, mal au coude. Dos. Ouais. Voilà. Allez, Étienne Loiret qui a pris ce ballon. C'est parti. Reste debout. Allez, il ne faut pas aller en touche, attention. Non, on est sur le. Non, on n'est pas. Oula, c'est un peu hors jeu. Non. Encore une fois, ils sont montés très très vite. Mais bon. Allez, elle est bonne. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh. L'arbitre qui a vu en avant. Monsieur Charleroi a vu en avant, rouge et blanc. En avant, rouge et blanc, ce qui va redonner une mêlée pour Bourg-en-Bresse. À l'entrée devant les 22 mètres. Il risque d'aller chercher du pied d'ailleurs pour changer. Allez, refaire un effort, aller chercher cette mêlée. Allez, il faut faire l'effort. Allez, enfoncer. Voilà, pénalité, bravo. Ouais, les gars. Allez. Voilà, ça, c'est du mental. Allez, les rouges. Voilà, jamais battu. Allez, il faut aller chercher la touche et s'appliquer, là. Allez, c'est le moment. Allez, les rouges. Très, très grosse mêlée des rouges et blancs. Voilà, et Philippe Berkessi qui va chercher la touche. Allez. C'est là que ça se passe. Le match, là. J'avais dit balle de match avant, là il y a balle de match. Ouais. Allez, serein. On s'applique. Être bien resserré autour du sauteur et tout ça, là, de bien être serré, organisé, des choses de simple. Allez. Si on fait une touche complète. Ouais. Ouais. Touche complète. Allez, il faut s'appliquer sur le lancer. Prise de balle, Olivier, super, bien Olivier. Allez, en avant. Allez, Écroulé. Et il n'y a même pas d'avantage. Bon, c'est incompréhensible. Franchement, là. C'est pas grave, on a toujours le ballon, c'est pas fini. Allez, bien se resserrer. Allez, faut enchaîner. Allez, on remet. Allez, il faut remettre une couche, les gars. Allez, c'est parti. Allez, avec voilà, tranquille. Allez, encore. Patience. C'est dur, hein. Allez, bien. Allez, encore. On se rapproche en plus, on se rapproche des poteaux. C'est super s'il y a pour fautes. La transformation. Ils vont faire des fautes. Ils vont faire une faute. Allez, c'est obligé. Voilà. Il peut faire qu'une faute. On avance. Allez. Il faut aller le chercher. Et on mettra après l'autre. Tranquille, patience. Allez. C'est les gros qui vont aller le chercher, là. Ouais. C'est les gros. Ouais. Il n'y a que. Allez. Encore. 2 mètres là. 2 mètres. Allez, on est à 2 mètres, on n'en peut plus. Allez les gros. Encore un effort. Patience, tranquille. Allez, on a le temps. Bien bas. Allez, dos plat, on y va. Encore.
Et jamais deux mètres. Et jamais il y a d'avantage. C'est magnifique. Patience, patience, patience. Allez, patience, patience. Encore, encore, allez, encore, encore. Couche. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Il faut y aller. C'est les gros qui vont y aller. Allez, bien se resserrer, bien se resserrer. Yeah. Allez, allez, allez. Oh là là, ça tombe de partout. Ouais. Fait, franchement, moi je sais pas où ils sont les violets quand même, mais il n'y a jamais d'avantage. C'est formidable. Allez. Allez, encore une fois. Allez, encore un effort, les gars. Patience. Allez, une autre cellule. Bien une autre bas, cellule. Bien bas, bien bas, bien bas. Allez, bien une autre cellule. Allez, allez, allez. Allez, Seigneur, avec lui. Ils vont la lâcher, ils vont la lâcher, ils vont la lâcher, ils vont la lâcher. Allez, encore, encore. Encore, allez, allez chercher le poteau là peut-être. Quelle séquence de jeu. Allez, encore. Allez, lâche-la. Il faut être avec lui. On va peut-être pas aller chercher derrière. Oh, il sort pas. Il n'y a jamais... Mais comment on peut pas y avoir d'avantage sur ces... C'est pas possible. Allez, allez, 8, allez, bon, Exter, allez, allez. C'est impossible, c'est improbable. Une action qui n'en finit pas. Des séquences... Plaqueur, plaqueur. Allez, vite, resserrer, faut se resserrer là, faut se resserrer. C'est pas possible, ça monte comme des V2. Sur 13 temps de jeu, toujours pas d'avantage alors qu'ils défendent sur leur ligne, c'est magnifique. Ils sont formidables ces violets, jamais une faute. Ça a montré dans toutes les écoles de rugby. Avec lui. Allez. Mais là on aura tout vu. Là on aura tout vu. Eh bien l'arbitre en a décidé autrement. Il aura décidé que on a gardé le ballon et que les violets ont défendu sans faute. Sur une séquence de 13 à 14 temps de jeu. À défendre leur ligne. La déontologie nous permettra de ne pas en dire beaucoup plus, mais on n'en pensera pas moins, en tout cas, personnellement. Voilà. Et sur ce, l'arbitre, M. Charleroi, siffle la fin du match, qui voit la victoire donc, de Bourg-en-Bresse sur le score de 21 à 16. Ouais, c'est rageant. C'est super, c'est très rageant. Ouais, bizarre. On va pas se mentir, qui assèche un peu nos espoirs de qualif. Hein. Ouais, c'est sûr. Oui. Ça va devenir l'impression de très compliqué. D'avoir perdu face à une équipe qui sans ne pas forcément. Bah, une équipe forcément... qui est venue gérer un match. Qui a profité de voilà, qui s'est nourri de nos fautes. Hein, de, ouais, faut, des fautes faut pas les occulter. Ouais. Et nous, qui quand nous avons eu le ballon, on a montré de belles choses, mais on l'a peut-être pas assez. Pas assez eu dans le match, donc voilà, on arrive sur la fin, on est un peu recherché cet essai, on n'est pas récompensé, donc ça c'est rageant. Voilà, on c'est remet, rageant, ouais. On remet même monsieur le président est allé se permettre apparemment quelques mots aux arbitres. Je pense leur démontrer son mécontentement, mais ouais, je comprends un peu la frustration des joueurs quand on arrive sur. Sur X pénalité à 0 en deuxième mi-temps. Ouais. Bon voilà, on va pas aller. On n'est pas là pour critiquer le corps arbitral. On va rester positif. On a peut-être pas mis assez de rythme quand il fallait pas celui le ballon. On est tombé sur un faux rythme parce que aussi les joueurs de Bourg-en-Bresse, concrètement, voilà, ils ont joué sur ça. Ils ont pris le temps de se replacer, de taper des renvois, de se placer en touche, de sortir du camp. Mm. Et nous, on est tombé dans ce faux rythme qui fait que voilà, on n'a pas su développer notre jeu de mouvement qui nous fait réussite depuis plusieurs semaines. Donc c'est rageant parce qu'on a l'impression de ne pas avoir non plus tout exploité. Quoi. Ce qui est rageant dans ces matchs-là, dans ces défaites-là, c'est d'avoir l'impression de ne pas être battu par plus fort. Ouais, voilà. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Après, on échoue à 5 points. Mm.
Voilà, ça c'est dommage quoi. Ouais. C'est dommage, 5 points, donc 21 points au pied quoi. Voilà, 21 points au pied, tu as tout dit. Bon, on va vous remercier de votre attention. Ouais, merci. On est tous un peu déçus. Ouais, voilà. Merci Simon. Déçu mais pas abattu. Ouais, non, il reste encore 3 matchs. On sait jamais ce qui peut se passer. On va se battre jusqu'à la fin. Oui, ça je suis convaincu. Le groupe est soudé. C'était un plaisir de commenter ce match avec toi, Fred. Igual, comme on dit. On vous remercie beaucoup. Passez une bonne fin de week-end. Ouais. Et puis à très bientôt si on a le plaisir de se revoir. À très bientôt. Bonne fin de week-end. Au revoir. Au revoir. Thank you.